les gens se demandent si la wallbox est vraiment nécessaire, si ça vaut le coup d'investir dans une wallbox ou si on peut se contenter du câble standard pour se recharger chez soi, si on n'a pas besoin de charger vite en fait. Bah, la wallbox, elle a quand même un intérêt, c'est que d'abord, ça va permettre de vérifier votre installation électrique, donc il y a un aspect sécurité qui est quand même important, et puis ça permet de se recharger quand même un peu plus vite que sur une prise domestique. Aujourd'hui, vous êtes en 8 heures ou en moins de 8 heures sur une wallbox, alors que vous êtes en sur une recharge complète à peu près 12 heures sur une prise domestique. Donc il y a quand même un intérêt à la wallbox, à la fois en termes de performance et de sécurité. On est conscient du fait que la wallbox est un surcoût pour le client. On y travaille. On va offrir avec Zoé des solutions un peu moins chères. Mais le fait de mettre une prise spécifique chez soi, c'est quand même un élément intéressant. Même si par ailleurs, quand je vais chez ma grand-mère, je peux me recharger avec le câble occasionnel. Mais franchement, en termes de confort et de sécurité, on pense que c'est quand même mieux d'installer une wallbox. Ok, très bien. Bah, je vous remercie en tout cas. Voilà, merci.